Là, on parle de la vie clairvoyante après la mort de Saline. Souvent, on fait référence à mauvais traitement qu'on a subi sous gouvernement Boyer, ou bien façon de mourir dans la misère dans la ville Gonaïve. C'est vrai que ça a tout. Mais ce n'est pas seulement ça. Entre la mort de Saline en 1806 et la mort par en 1858, c'est plus passé 50 années qui passent. Et dans 50 années, il y a pile de bagages qui passent dans la vie clairvoyante. Avant la vidéo à commencer, il y a deux annonces importantes pour faire. Premièrement, je salue Melomania qui a sponsorisé la vidéo. Melomania, c'est une entreprise qui est spécialisée dans 20 bits. Si vous êtes un rappeur, chanteur, producteur, je vous invite à aller sur la chaîne Melomania sur YouTube. Vous avez tout bit qui est disponible, ni comment vous pouvez acheter. Deuxièmement, pour tout le monde qui a aimé apprendre plus de bagages sur l'histoire d'Haïti, découvrez pour vous la librairie Découvrir. La librairie Découvrir, c'est un espace où vous pouvez acheter divers livres sur Haïti en format numérique et puis payer par mon cash sur Haïti ou bien PayPal sur l'autre bord. Tout le lien est disponible dans la description vidéo. 17 octobre 1806, Dessalines va mourir assassiné sous pont rouge. Malheureusement, nous ne parvenons pas à aucun document qui expliquait qui Boclair aurait été laissé arriver, ni comment il était réagi à recevoir la nouvelle. Mais, ça nous capable de clair sous lui, la vie impératrice n'a pas de jamais en danger. Malgré les gens qui ont tué Dessalines et ont tapé toute qualité de chair sous l'empereur, ils étaient toujours respectés l'impératrice. Dans un document qui est la résistance à l'oppression, un document assassin Dessalines était rédigé pour justifier Zakioa, Léo parle de Claire Heureuse, il dit la vertueuse épouse de Dessalines. Ça a montré que j'ai assassin Dessalines était considéré impératrice. Si tu as un couche pour la société qui va te flouer Dessalines, pour Claire Heureuse, bah, il était différent. Tout le monde net à la ronde bade te respecte. Après la mort de Dessalines, Claire Heureuse va recevoir deux lettres. Une qui saute beaucoup de Pétion, une autre qui saute beaucoup de Christophe. Pétion dans lettre liée va demander à l'impératrice pour l'oublier si elle était madame Dessalines pour qu'elle va venir madame nation. Christophe lui-même va parler en l'autre genre. Après le fin de partager chagrin avec l'impératrice, les parents annoncent les diverses mesures qu'ils prennent pour protéger la ville ensemble avec la vie petite. Avant même que Christophe ait écrit la lettre, il était passé ministre financier André Vernet l'ordre pour lui prendre toute disposition pour protéger l'impératrice avec la famille. 1er janvier 1807, une grosse bataille pour le péter entre Christophe et Alexandre Pétion. Depuis là, le pays a divisé en deux. Christophe dans le nord, Pétion dans l'ouest. Dans la période de la guerre civile qui a commencé, il a semblé que c'est dans la ville de Gonaïve que la rose était habitée. Dans le mois de février 1807, le Sénat qui était dans l'Ouest pour empêcher les gens qui étaient le terre dans de Saline de continuer à payer terre. Mais la décision n'a pas affecté la terre que les héros étaient gagnés. Ils ont toujours continué à payer. Mais dans le mois août 1807, Pétion a décidé d'utiliser le copte de Saline pour remettre un copte de Saline prêté dans un commerçant américain qui était le Jacob Lewis. Dans le commencement du mois de mai 1807, Pétion a lancé une attaque sur ville Gonaïve. Le général Mani, qui était partisan Christophe, ou le pape qui a défendu la ville, là, il retire col dans le monde qui environne Gonaïve. Pendant l'état fait ça, il est tout allé à Claire Heureuse. Partisan Pétion pour profiter pour piller Kai Claire Heureuse qui est dans la ville Gonaïve. Après que Christophe reprend le contrôle de Gonaïve, il va décider de mettre Claire Heureuse en bas protection. C'est comme ça que Claire Heureuse va commencer à vivre beaucoup de Christophe. Dans un décret qui est publié le 29 mai 1807, Christophe va passer l'ordre pour toujours avoir une place spéciale qui est réservée pour Claire Heureuse dans toute cérémonie officielle qui a fait lieu. En 1811, Christophe va décider de prendre le droit. Dans la cérémonie couronnement, Claire Heureuse va jouer le même traitement que famille Christophe. Ni les cortèges là par l'église là, ni les cortèges défilés dans l'église là, place Claire Heureuse était derrière deux petites filles Christophe. Pendant toute la Christophe était sous pouvoir, Claire Heureuse était jouée en pile respect et en pile considération. Dans un article journal Le Républicain qui était publié le 1er septembre 1835, il a rapporté que Christophe, pendant qu'il était roi, il était créé un groupe de soldats femmes qui était responsabilité de madame, Marie-Louise Quadavi de sécurité. Le groupe a été relié à Amazon et c'est sous l'autre Claire Heureuse que le groupe a été marché. Le problème de Claire Heureuse pour commencer après la mort de Christophe en 1820. Boyer, qui était venu président après la mort de Pétion, pas de bail Claire Heureuse régler rien pour lui. Si le Boyer est tombé, Barreau a commencé à changer pour Claire Heureuse. Dans le mois de 1843, Rivière et Rare, il y a un homme qui était participé dans le Boyer à terre. Pour le croiser à Claire Heureuse dans la ville Saint-Marc. Les rivières Rouen qui est à misérable Claire Heureuse et pour longer la même balle. Dans le mois août 1843, plusieurs citoyens dans le pays, tant que Joseph Saint-Rémy, pour demander pour le gouvernement de Claire Heureuse aux pensions, une façon pour les capables de vivre bien. Les sous pour arriver sous pouvoir en 1846, ils parlent augmenter les pensions. Mais amitié Claire Heureuse avec Soulouk pas durer. C'est toi après Soulouk qui finit exécuter César Dessalines, et un petit Jean-Jacques Dessalines. C'est comme ça, Claire Heureuse va décider de vivre Gonaïve quand une petite petite li, Madame Chancy. Après un petit temps, après un peu de souffrance et de misère, Marie-Claire Heureuse félicite Bonheur Dessalines pour mourir en 1858, 52 ans après l'assassinat de Marie. Cela va mettre un bout à la vidéo.
pas hésiter à abonner à la chaîne là et puis activer la cloche de notification. Pas oublier tout partager vidéo avec entourage ou famille ou amis pour capable faire communauté agrandie. Et puis moi je dis nous rendez-vous semaine prochaine pour une autre vidéo.